Hey yo tout le monde, c'est Mixim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve sur Sniper Elite 4. Donc, voilà, on va faire une petite solo. Désolé si je regarde en dessous car il y a mon petit retour. J'ai un retour vidéo. Voilà, hop, je mets un petit coussin là. Donc, on va faire une petite solo. J'ai jamais joué au jeu. Du coup, voilà, c'est... J'ai déjà regardé quelques vidéos. On contrôle un soldat en 1900, je sais plus combien, en Italie. C'est une guerre en fait en Italie. Et je sais plus si ça se passe quand. Je crois que c'est en 1940. Bref, on verra. Du coup, là, je crois qu'il y aura une cinématique. Du coup, je vous laisse. Et du coup, voilà. Continuer la campagne. Non, on va faire une nouvelle campagne. Voilà, hop. Ouais, parce que j'avais regardé la première mission, comment elle était. Et voilà quoi, j'ai vraiment. Fait quoi les vite fait 30 secondes juste regarder le truc là, le la bande annonce se dire là, voilà la cinématique. Donc je vous laisse. 1943, un monde en guerre, plongé dans la tourmente. Nous avions mis fin à la campagne d'Hitler en Afrique et ensuite Churchill a poussé les Alliés à envahir l'Italie. Il appelait la Méditerranée le ventre mou du crocodile. Malgré leur réticence, Winston a convaincu les Américains. C'est le général Dwight D. Eisenhower, commandant en chef des Alliés, qui s'occupe de toute la stratégie en Méditerranée. De mon côté, je me rends à San Cellini. Une île isolée au sud-ouest de l'Italie. On perd des bateaux dans le secteur. D'après les renseignements britanniques, c'est lié à la présence de la Luftwaffe sur San Cellini. La Royal Navy a envoyé un cargo italien capturé, l'Orchidea, pour mener l'enquête. Il est équipé d'un super dispositif d'interception radio. Les renseignements obtenus ont confirmé nos pires craintes. Les nazis ont une nouvelle super arme. Les survivants des bateaux détruits ont mentionné un nouveau type de missile. Ces fusées téléguidées depuis l'anéantireur peuvent localiser nos bateaux avec une précision mortelle. L'Orchidea devait surveiller les transmissions radio de la Luftwaffe et découvrir les plans des Allemands. Même au prix du plus grand des sacrifices. Nous devons savoir ce que les nazis préparent et comment les arrêter. Un haut gradé de la Luftwaffe se trouve sur l'île. Le général Tobias Schmidt. Tout le monde sait qu'il a les faveurs d'Hitler. Schmidt ne se laisserait jamais prendre vivant. Et il ne trahirait jamais son cher Führer. Mais il a peut-être des informations exploitables sur lui. Ma mission, tuer Schmidt et tous les officiers de haut rang. Et puis dégager. Ces hommes ne doivent pas être morts pour rien. Je dois trouver un max d'infos sur la fusée. Ok, donc normalement là c'est parti, ouais ça commence, ok. Franchement, la qualité, rien à dire. Elle est vraiment... Derrière les graphismes, franchement, nickel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, lâcher. Ok, d'accord. Ok, ok. Ok. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ok. Ah ouais, il y a des trucs. Ok. Je savais pas qu'il y avait ça dans ce jeu. Je pensais pas c'était jeu. Puis R3. Ok, les jumelles. Il y a un mec là-bas. La grue. Hop. Retirer.
Ok. On peut zoomer. Ah, ok, on peut marquer des ennemis, ok. Ok, faut faire. Ok, en fait, c'est le didacticiel plus L1. Ah, ok, il y a. Ah, oui, là. Ok. Est-ce qu'on peut viser? Ouais. Ça, pour viser vos poumons. Ah, ouais, stylé. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Le fait que ça fasse une visée comme ça sur la balle. Franchement, c'est stylé. Franchement, nickel. Par contre, j'ai le contre-jour là qui me fait mal aux yeux. Derrière la lumière du soleil qui me fait mal aux yeux. Donc. Ouais. Ah ouais, stylé, stylé. Ah, qu'il faut courir en appui sur L3. L3, ok. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Ouais. Ok. Maintenir pour faire le corps, ok. Attends, faut peut-être se rapprocher, voilà. Hop, et on va fouiller le deuxième corps. Zaboli. Ok, on va grimper à l'échelle. Alors, est-ce qu'il y a une map ou un truc comme ça? Non. Peut-être qu'il nous dira au fur et à mesure du temps. Ok. Ah voilà la carte. C'est quoi distribuer les caméras 100 mètres. Ok. Tu es. Ah ouais, il y a tout ça à faire. Je sais pas si c'est une map pour toutes. Ouais, je pense c'est une seule mission ça. Après ça, peut-être si la map elle est peut-être. Attends, j'ai commencé, j'étais ici. J'ai fait tout ça. Ouais. Je sais pas après. Après, je sais pas si c'est. Ouais, je pense c'est toute une mission tout ça. Mission silencieuse, un peu pas merde. Est-ce qu'on peut exploser le camion? Attends, y a pas une bonbonne sur les côtés là quand même. Attends, c'est une. Ah, ah si là, il y a un choix, c'est un bidon d'essence. Pourvu que c'est un bidon d'essence. Oh oui, yes. Et là, ça va tout faire exploser. Oh là là là. Ah ouais. Stylé, franchement, stylé le jeu. Ça va le faire à tous les trucs, ça ou pas? Ah ouais, dans son cerveau. Et bah, franchement, il est stylé le jeu, franchement. Dans son nez. Ah putain, merde. J'aurais voulu faire le truc là avec la caméra sur la balle. Putain, on peut pas. En fait, c'est un jeu, c'est comme. Comme, ouais, c'est vraiment un truc de. Ah, il y a des gens. Ouais, c'est un jeu vraiment, il faut être discret, c'est ça le truc. Ah non, il est là. Ouais, toi. What? J'étais à couvert, vas-y. Ah ouais, attends. Ah, tout à l'heure, il y a triangle, triangle, je crois. Oh, stylé.
Je l'ai éclaté. Oh 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 oui yes. Oh là là. C'est tellement satisfaisant quand on voit ça. Merde, je suis trompé. Merde, putain, je sais pas. Putain, hey, je parle pas, je suis vraiment concentré, c'est un truc de ouf. Merde. Ok, yes, y a un truc pour monter. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Allez, 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 allez. Ok, c'est la personne ici. Je sais pas où est-ce que je vais en vrai. Wesh. Non, mais non. Ok. Let's go, let's go, let's go. On est où là? Ouais, on est là. Les officiers, ya yeah. Ah ouais, quand même, on voit les Lost qui s'éclatent. Ok, ok, ok. Non, je me suis fait baiser par la montagne. Ok, je savais pas que ça descendait direct. Je pensais, je sais pas, ça allait faire une petite descente, toi, tranquille. Et non. Merde, ok. Non. Je me suis niqué. Merde, faut que je descende là. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais aller directement. Merde, non. Ok, ok. Ouais, c'est bien ça, parce que ça, il y a aussi le rythme cardiaque. Ça, c'est stylé aussi comme jeu, ça fait un peu plus réaliste. Ok, on va prendre des petites
Ok, j'ai tué, y'a plus que l'officier de tuer. Attends, je vais essayer d'y aller vraiment. Qui tire à la tête. Yes, hop. Ok. Donc je pense que là on a fait la moitié du chemin. En fait c'est des... C'est en fait... Donc voilà, je pense que là on a fini. La vidéo ça fait déjà 20 minutes qu'elle est là. Je vais mettre sur pause. Hop, option pour pas qu'on me tue. Donc ouais, ça fait déjà 20 minutes que je tourne et je pense que là bah ça fait déjà ouais, ça fait vraiment longtemps. Donc une mission comme ça, il y a peut-être en fait c'est une mission où il y a plusieurs missions dedans. Je sais pas si ton coup tu comprends. Regarde, on va repartir sur ça. Hop, regarde, on est sur l'île. Attends, comment on fait pour dézoomer? Ok, je veux dire, on est parti ici, on a fait les didacticiels et tout. On a commencé à l'île qui était là où il y a mon point, le petit cercle noir. Et du coup, on devait faire, on devait tuer un officier. Puis après, j'ai dû aller ici pour tuer un autre officier. Et après, on doit faire trois autres choses. Et en fait, c'est une grosse mission. Il y a quelques petites missions réparties dans la grosse mission. Donc, je sais pas si tu m'as compris, mais bon, voilà. Donc en fait ça doit durer là, j'ai peut-être fait 20 minutes, une mission ça doit durer une heure à peu près je pense. Du coup je pense que bah là c'était la partie 1, je ferai la partie 2 peut-être dans 2-3 jours, je sais pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça fait peut-être 2 ans j'ai pas fait de vidéo IRL, voilà. Du coup ça m'a fait plaisir, j'ai eu une petite motivation, je viens de rentrer de vacances, je me suis dit allez on va faire une petite vidéo. Voilà, en plus j'ai eu ma nouvelle caméra, je suis en train de filmer avec la Cross Tour. Du coup voilà. Donc je vous dis à la prochaine, peut-être dans le Let's Play numéro 2. Ciao ciao.